Bonsoir, mesdames et messieurs, ou plutôt bonjour, qui n'est pas si tard que ça. Et je voudrais vous dire quel était mon plaisir personnel, et j'imagine le vôtre, puisque vous êtes venus pour écouter cette conférence, de rencontrer Xavier François Bellamy, parce que c'est le prototype de l'esprit bien formé, de la belle intelligence, et de la formulation claire des choses difficiles. Donc, euh, nous avons devant nous un jeune professeur de philosophie de 33 ans, et qui euh, incarne, me semble-t-il, l'excellence le, française en la matière, et peut-être aussi est-il un de ces héritiers dont, pour euh, Dieu, a pourfendu la nature, et qui a traumatisé des générations de lecteurs, voire d'enseignants, pendant des années, avec la force de, sa, de son analyse sur... Euh, la transmission de la culture sur le capital culturel qui s'avérait discriminant et qui faisait en sorte que les, les hommes et les femmes n'étaient pas égaux devant l'éducation et qui fera que cette réflexion-là occupera beaucoup d'esprit. Et j'ai été très étonné très heureux de vous découvrir, moi, à travers ce premier livre que vous avez écrit, qui porte sur la transmission, justement. Mais je voudrais dire aussi que... Une petite conversation que nous avons eue tout à l'heure euh, ensemble. J'ai vu dans vos yeux l'amour de la philosophie et l'amour de l'enseignement de la philosophie. Et j'ai vu que vous étiez quelqu'un d'attaché à l'enseignement, puisque vous enseignez encore, que vous aimez enseigner, et que non seulement vous enseignez, mais un petit peu comme on ferait avec d'autres perspectives, vous avez passé le cap de la, de la classe, de la salle de classe, pour aller dans la cité. De différentes manières d'ailleurs, parce que vous avez aussi eu un rôle dans la cité euh, en tant qu'élu qu municipal à Versailles, mais, mais que vous avez été dans la cité et, et non seulement aujourd'hui vous animez tout, toutes les semaines, je crois, ou tous les mois, je ne sais plus, toutes les semaines, toutes les semaines euh, des conversations philosophiques euh, au théâtre Saint-Georges à Paris. Et que la philosophie passe par le théâtre, pour les amateurs de la philosophie antique et pour les amateurs de théâtre, et je me situe parmi ceux-là, je trouve ça très touchant parce qu'effectivement, ces deux matières, ces deux univers ont à voir l'un avec l'autre. Je disais à l'instant que euh, le fait que vous ayez traité cette question avec un, un livre dont le titre m'avait alerté quand je l'ai lu, qui était Les Déshérités, a fait que, euh, bon, il fallait absolument que j'aille voir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai trouvé que votre approche de la question était extrêmement lumineuse et parfaitement au centre du sujet puisque vous avez traité de la question de l'héritage, les héritiers, Bourdieu et Passeron, j'y faisais allusion, et quelle a été la conséquence Ça a été le déshéritage. Et vous développez une, cette idée dans ce livre, qu'il y, y a eu une génération, la mienne par rapport à la vôtre, la mienne, un petit peu avant, qui a refusé de transmettre, qui a renoncé à transmettre. Et c'est vrai dans le champ de la philosophie, c'est vrai dans le champ de la culture, dans le champ de l'enseignement. Et cette question-là me semble avoir été formulée pour la première fois avec une, une acuité extraordinaire. Et si je pouvais me permettre de vous donner un conseil, c'est ce livre qu'il faudrait commencer à lire, me semble-t-il, parce qu'il touche à l'essentiel de cette question. Car en fait, je m'aperçois que le second livre, c'est encore une histoire de transmission. Euh, ce livre dont le nom est Demeure. D'ailleurs, qui m'a alerté quand je l'ai lu, j'ai trouvé très beau qu'on vous offre la collection rouge de Grasset, parce qu'il y en a des bouquins importants dans cette collection. Et demeure, je me suis dit, tiens, mais demeure, c'est quoi C'est la maison C'est la demeure des rois La demeure où l'on vient se reposer euh, S'il y avait eu un point d'exclamation, de, ça aurait été une injonction Demeure. Et pour quelqu'un qui pourfend le mouvement et qui essaie de sortir de la logique du mouvement, ça avait du sens. D'autant plus que vous dites quelque part que André-Gilles disait ne demeure pas. Voilà. Donc je, je vous pose la première question faut-il demeurer ou bien faut-il être en mouvement, comme on dit aujourd'hui, ou en marche On m'avait dit qu'il ne fallait pas faire de politique ici. Mais on ne va pas en faire. On va essayer de prendre de la hauteur ensemble sur euh, les débats contemporains, et je crois qu'on en a besoin. Et c'est d'ailleurs ce que nous offre euh, ce moment que nous partageons, l'occasion de cette rencontre. Et je voudrais commencer par euh, vraiment vous remercier pour votre invitation, remercier toutes les équipes qui portent euh, l'organisation de ce bel événement. Je vous remercier tous aussi d'être euh, d'être si nombreux. Euh, ce qui me, me touche beaucoup, bien sûr. Euh, je suis euh, très marqué par euh, les mots si bienveillants que vous avez prononcés. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de tout ce que vous avez dit, mais ce qui compte le plus, c'est que nous puissions chacun, là où nous sommes, avec notre intelligence, tenter de contribuer à réfléchir à ces grands enjeux qui traversent le monde contemporain. Et derrière ce mot de demeure, il y avait en effet peut-être la totalité de la petite contribution que j'essayais d'apporter. Ce mot a été l'occasion d'une vigoureuse polémique avec mon éditeur qui ne voulait pas de ce titre. <laughs> J'ai réussi à emporter la décision un peu au dernier moment, j'en suis très heureux, parce que ce, ce titre demeure, il dit vraiment la réponse à la question que vous venez de poser. Faut-il être immobile ou faut-il bouger C'est exactement dans ces termes-là que le débat nous est proposé aujourd'hui. C'est dans ces termes-là que nous sommes confrontés à la plupart des grandes questions que nous allons devoir prendre en charge, qui sont des questions politiques au sens le plus fort du terme, bien sûr. Je pense par exemple à la question de l'avenir de notre pays, à la question de l'avenir de notre continent, de l'avenir de l'Europe dans le monde de demain. La mondialisation de fait impose son rythme à nos décisions et nous sommes sommés d'être adaptables et de suivre les cadences qu'elle nous impose. Mais nous n'avons pas seulement devant nous la responsabilité de nos institutions, nous n'avons pas seulement devant nous même la responsabilité de notre culture et vous avez parlé de cette crise de la transmission. Nous avons même devant nous la responsabilité de notre nature. Chose inouïe, c'est la première fois dans l'histoire humaine que les hommes sont responsables de la nature elle-même. Oui, pendant des, des millénaires, il a pu sembler aux hommes que les affaires humaines consistaient à tenter de s'orienter le mieux possible à l'intérieur de ce monde, mais que ce monde, lui, il allait continuer à durer quoi qu'il arrive, que le cycle des saisons reviendrait éternellement, que la nature, dans sa stabilité, imposait une forme d'humilité à nos pauvres actions humaines. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire, nous avons aujourd'hui, par le pouvoir technique tout à fait inédit qui est entre nos mains, la capacité de détruire peut-être la survie même de cette nature. En tous les cas, de la perturber, de polluer la nature, de la déséquilibrer d'une manière tout à fait inédite. Et donc, nous avons devant nous la responsabilité de la nature, et même nous aurons devant nous chose inouïe. Je terminerai par là. Nous aurons devant nous, selon toute probabilité, dans les années, dans les décennies qui viennent, nous aurons devant nous à décider de l'avenir de la condition humaine elle-même. La question du transhumanisme, la question de l'intelligence artificielle, la question de l'homme augmenté, la lutte contre la mort, tout cela est une forme de rupture avec toute l'histoire humaine, parce que dans l'histoire des hommes, nous n'avions pas le pouvoir ni de détruire l'humanité, ni non plus de la transformer. Je relisais récemment, vous parliez de théâtre antique, je relisais récemment une des pièces de, de Sophocle dans laquelle un, un héros s'emporte contre Zeus et lui dit Zeus, espèce de salaud, quelle chose étonnante as-tu fait Quelle catastrophe as-tu causée en inventant cette réalité étonnante et si embarrassante que l'on appelle la femme et quelle malédiction que même nous, les héros grecs, nous soyons obligés de passer par elle pour avoir des enfants, avec tout ce que ça suppose d'encombrement et de difficultés, parce qu'au fond, on a beau être des héros, on n'y comprend rien du tout. Eh bien, pour la première fois, je me disais en lisant ce texte, pour la première fois, nous sommes en train de nous poser la question de savoir s'il si faut que par le jeu de la technique, par le soutien du droit, que nous puissions donner la vie sans avoir besoin de passer par l'autre. C'est une question qui est posée, je ne prétends pas. La répondre ici, mais la question est posée, elle est vertigineuse en soi. Et devant toutes ces questions, voilà comment le débat est configuré. On nous dit faut-il bouger ou faut-il rester immobile Voulez-vous aller de l'avant ou voulez-vous retourner en arrière Est-ce que vous acceptez. <coughs> Pardonnez-moi, on est presque des transhumains, mais on ne sait pas encore guérir les mauvaises crèves qui durent un peu. Est-ce que vous voulez. Euh Choisir résolument, avec enthousiasme, ce qui va arriver ou est-ce que vous êtes trop heureux et que vous voulez retourner en arrière Moi, je crois que le débat est mal posé. Et le mot de demeure, il me paraissait correspondre à lui tout seul, à cette intuition que je voulais défendre. Je ne crois pas qu'il faille arrêter le mouvement pour répondre à votre question. D'ailleurs, on ne peut pas arrêter le mouvement. La vie humaine est faite de mouvements elle est faite de changements. Je crois en revanche que la question est vers où se dirige les mouvements que nous décidons, quels sont les buts que nous voulons poursuivre, qu'est-ce que nous tenons comme étant bon et juste, et qu'est-ce qui nous paraît être mauvais et injuste. Et encore une fois, en disant cela, je ne prétends avoir résolu aucune des questions que je viens de poser avec vous, mais simplement peut-être avoir tenté d'apporter ma petite pierre pour que le débat soit mieux posé. La question n'est pas l'opposition entre ceux qui veulent d'un côté bouger, changer, avancer, ceux qui veulent être en mouvement, ceux qui veulent être en marche, pour reprendre votre expression, et de l'autre côté ceux qui ne veulent pas bouger, ceux qui veulent être immobiles, ceux qui veulent revenir en arrière. Le débat doit se faire autour de cette seule et unique question. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est vrai Or, le propre du juste et du vrai et du bon, c'est qu'il ne change pas avec le flux des opinions. Quand le scientifique cherche à connaître la vérité sur l'univers, il ne cherche pas à faire du nouveau, il ne veut pas bouger pour bouger. Si Einstein est un progrès par rapport à Newton, ce n'est pas parce qu'Einstein est nouveau, c'est parce qu'il s'approche de la vérité de l'univers que Newton avait entrevu, mais que la proposition d'Einstein nous permet de mieux comprendre encore. Et donc, c'est lorsque nous nous approchons de quelque chose qui ne change pas que nos changements ont du sens. C'est lorsque nous marchons vers un but fixe et stable que notre marche trouve son sens. Et, la marche, et en disant cela, je, je n'ai pas du tout d'intention polémique. Il ne s'agit pas du tout de parler d'un parti ou d'un... D'ailleurs, on ne dit pas parti, on dit mouvement aujourd'hui. Il ne s'agit pas de parler d'un mouvement particulier, parce que toute la vie politique française est saturée par cette fascination pour le changement comme un but en soi. Souvenez-vous, 2012, le changement, c'est maintenant. Et 2007, c'était la rupture, comme si le changement était en soi le but que nous pouvons chercher. Or, il me semble que nous ne pouvons donner de sens au changement que lorsque nous le dirigeons vers quelque chose qui demeure. Et la demeure n'est pas l'immobilité. Tous ceux qui parmi vous ont une demeure, tous ceux qui parmi vous ont une maison, savent à quel point entretenir une maison, faire en sorte qu'elle tienne debout, faire en sorte qu'elle soit le lieu où vit un foyer animé et vivant et aimant que tout cela est une énergie de chaque jour, un travail incroyable, et que pour que la demeure tienne debout, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne changez pas la toiture de temps en temps, vous êtes sûr que la demeure va finir par s'écrouler. Donc il n'y a pas d'un côté le parti du mouvement et de l'autre côté celui de l'immobilité. Et personne d'ailleurs ne devrait, par peur de ce qui nous est présenté comme des progrès, se définir lui-même comme étant un partisan de l'immobilité ou du retour en arrière. La seule question que nous devons nous poser, et c'est la seule configuration possible pour les débats qui nous attendent, c'est qu'est-ce qui est bon et juste Et ce qui n'est pas bon et juste n'est pas, bien que ce soit nouveau, n'est pas nécessairement un progrès. Tout ce qui est nouveau n'est pas nécessairement un progrès. Voilà l'intuition voilà que je voulais proposer à travers demeure, qui, vous l'avez dit, est un mot et qui désigne cette magnifique réalité de la demeure qui, qui donne sens à nos vies et qui donne sens à nos mouvements. Quoique nous puissions voyager, nous avons tous une demeure qui habite ce monde et qui fait que ce monde a un sens. Cette magnifique intuition qui tient aussi, évidemment, dans une forme, non pas d'injonction, mais d'invitation, si vous voulez, ou d'appel, de supplique, que je me lance à moi-même d'abord le premier. Si nous pouvions réapprendre un peu à demeurer, sans avoir peur de passer pour des demeurés, si nous avions peur, si nous étions capables de, de, de reprendre un peu de temps en temps conscience de ces points fixes qui structurent notre existence et qui lui donnent sa signification, alors sans doute, déjà, le, le monde irait un peu mieux. Et alors ce qui me frappe dans ce que vous dites là à l'instant, c'est que ce questionnement là, qui apparaît si, si précisément moderne, si actuel, si préoccupant aujourd'hui. Bah, au fond, c'est le même que celui qui divisait les citoyens dans l'Athènes du IVe siècle. C'est la même chose, les, les mêmes débats sur euh, l'être qui reste stable, le, le, le monde qui passe, le, le fameux Pantareil d'Héraclite, de, de, etc. Donc, comme si rien n'avait changé. Quant à vos questions sur le vrai, le bon, etc., sont des questions antiques. Donc, euh, vous nous donnez tout d'un coup à entendre que cette intuition, elle est, euh, au fond, traverse les siècles et que c'est la même. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, quand on vous lit, on découvre qu'il y a un étayage philosophique à ce que vous dites qui empêche que ce que vous dites soit des opinions, mais qu'elles viennent du plus loin et d'une articulation intellectuelle qui est parfaitement fondée. J'aurais aimé, puisqu'on en est là, que vous fassiez ce pont, puisque vous le faites si bien. De fait, c'est à soi seul quelque chose qui nous permet de perdre soudainement toute espèce d'orgueil contemporain dans l'idée que nous avons tout inventé, que nous sommes le sommet de l'histoire humaine. Vous avez une certaine vision de l'histoire qui est habitée par la certitude du progrès et qui, par conséquent, induit l'idée que nous sommes le sommet de l'histoire et que demain, ce sera forcément encore mieux. En réalité, c'est vrai que nous sommes d'abord des héritiers qui s'ignorent, euh, ce que j'avais essayé de, de montrer dans les déshérités. C'est vrai que cette question du mouvement, je dirais pour répondre à votre question qu'elle est à la fois très ancienne et très nouvelle. Elle est très ancienne parce qu'elle a construit la conscience occidentale. Le monde occidental, à travers la philosophie grecque, s'est structuré autour de la question du mouvement, qui est même antérieure à la philosophie. C'est le débat archaïque, pourrait-on dire, c'est-à-dire fondateur, littéralement, entre Parménide et Héraclite. Parménide, c'est... Celui qui affirme que comme l'être est, comme il faut comprendre la réalité du réel, alors le changement ne peut être qu'une illusion. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le changement Ça veut dire que ce qui n'est pas devient de l'être. Ce n'est pas possible. Après Parménide, ses disciples comme Zénon, par exemple, vont faire tous les efforts logiques possibles pour nous montrer que le changement, ça n'existe pas, que c'est une fiction, que rien ne change jamais, que tout demeure toujours identique, que tout est toujours pareil. À quoi répond la perspective d'Héraclite, que vous connaissez sans doute, qui nous dit que tout s'écoule Petite réminiscence de vos années de terminale, peut-être Tout s'écoule, pantarei, que tout s'écoule, que la réalité est semblable à un fleuve. Quand vous passez au-dessus d'un fleuve, je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas, comme dit Apollinaire, dont on a fêté l'anniversaire de la mort récemment. Quand nous passons au bord d'un fleuve, nous disons ah, le fleuve est toujours là, le gave coule toujours. Mais en réalité, le sentiment que le gave est là est une illusion, parce que les eaux du fleuve, elles, sont passées depuis très longtemps. Vous passez un jour et le lendemain, ça n'est plus du tout la même eau. L'impression que le fleuve demeure est une impression illusoire. Alors, qu'est-ce qui est illusoire Est-ce que c'est le mouvement ou la stabilité Et c'est fascinant, parce que cette question, elle date de 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle a 25 siècles aujourd'hui. Et au fond, le débat qui habite l'inquiétude des hommes autour de la question du mouvement, ce débat, nous en héritons profondément. En même temps, la question est aussi profondément nouvelle. Parce que pendant des siècles, même pendant des millénaires, la conscience humaine a été habitée par la certitude que même si beaucoup de choses changeaient, à la fin, tout se dirigeait vers une espèce de point d'aboutissement, de point fixe, ce qu'Aristote appelait un lieu naturel. Voyez. Pour la physique d'Aristote, cette bouteille, c'est un corps lourd et donc elle veut, comme tous les corps lourds, aller vers son lieu naturel et son lieu naturel, c'est le bas. Si je lâche cette bouteille d'eau, elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Là je l'empêche de le faire et c'est pour ça qu'elle me résiste, voyez, elle exerce sur moi une certaine pression qui est le signe de sa volonté d'aller vers son lieu naturel. Et si je la laisse faire, elle va vers le bas et là elle ne tombera pas plus bas, elle est bien comme ça, elle est heureuse. Elle est arrivée dans son lieu naturel. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît Quelque chose qui est dans son lieu naturel, on le reconnaît au fait qu'il est en repos. Toute chose qui est en repos est accomplie dans son être, achevé. Tout ce qui est en mouvement est en train de s'accomplir. Il y a peut-être des jeunes dans cette salle. Qu'est-ce que ça veut dire être jeune à être jeune, ça veut dire être en train de changer. On change très vite quand on est jeune, on grandit. Et une fois qu'on a fini de grandir, on a fini sa croissance, on est devenu un adulte et là, voilà, on est achevé on est un homme accompli on est une femme accomplie de telle sorte que dit aristote plus on vieillit plus on a de chance d'être accompli plus on vieillit plus on a de chance d'être heureux eh bien nous vivons dans un monde qui a renversé cette perspective la modernité qui est le monde dans lequel nous vivons l'étape de la conscience humaine et de l'histoire humaine dont, dont, dont nous sommes solidaires la modernité c'est celle qui à partir de la révolution scientifique notamment découvre qu'il n'y a pas de point fixe dans l'univers il n'y a pas de lieu naturel pour Galilée, pour Copernic, Puis, puisque la Terre tourne autour du Soleil, tout ce que nous croyons être immobile, en réalité, se déplace. Et nous ne disons que c'est immobile que pour une seule raison, c'est que ça se déplace à la même vitesse que nous. Là, vous pensez que vous êtes tranquillement immobile, confortablement installé dans votre fauteuil, ici, dans ce palais Beaumont, mais attention, vous ne croyez que vous êtes en repos. Que parce que le fauteuil sur lequel vous êtes assis tourne exactement à la même vitesse que vous au milieu d'un univers potentiellement infini. Accrochez-vous bien, vous êtes en train de vous déplacer à des centaines de kilomètres-heure. Surtout ne lâchez pas votre fauteuil. Et donc, ce que montre la modernité, c'est que tout ce que nous croyons immobile, en fait, est en train de bouger. Et la modernité, c'est le triomphe d'Héraclite, en quelque sorte. Tout s'écoule, tout bouge. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il n'y a plus de point fixe à chercher. C'est Hobbes qui nous dit la vie humaine peut être comparée à une course, mais c'est une course dans laquelle on n'a pas d'autre but que de devancer perpétuellement ses concurrents. C'est une course dans laquelle on n'a pas d'autre but que de devancer perpétuellement ses concurrents. Quelle image incroyable de notre vision de la vie <coughs> De notre vision de la vie professionnelle, de notre vision de la vie en société, de notre vision de la vie personnelle et collective. C'est une course dans laquelle on n'a pas d'autre but que de devancer perpétuellement ses concurrents. Nous ne savons plus dire où nous conduit notre course. Nous passons d'ailleurs notre vie à courir. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point la course a envahi nos vies. Nous passons nos journées à nous plaindre que ça court tout le temps, mais dès qu'on a fini de travailler, on va faire des footings on va courir. Tourner en rond d'ailleurs, vous le remarquez avec moi, pour revenir au même endroit, mais enfin il faut courir. Et le week-end, eh nous réclamons de pouvoir aller faire nos courses, même le dimanche dans les supermarchés. C'est-à-dire que la course est devenue une métaphore de l'existence. Et la modernité s'accomplit, je crois, sur le plan politique, précisément maintenant. Pendant très longtemps, les hommes ont couru, mais ils avaient encore un point d'arrivée. Pendant très longtemps, le consensus religieux a prédominé. Et donc on avançait encore, malgré tout, dans la mobilité de cet ici-bas vers un au-delà qui était la patrie éternelle qui était donc un point d'arrivée. Et puis ensuite, la religion a perdu son importance à l'intérieur de la société, elle a été remplacée par des grandes idéologies. Les grandes idéologies voulaient tout changer, mais elles aussi avaient un point d'arrivée. Un marxiste voulait faire la révolution, il voulait tout changer, mais faire la révolution, c'était faire la lutte finale. C'est-à-dire, après la révolution, c'était fini, c'était la fin de l'histoire. On entrait dans ce que Hegel appelait le dimanche de la vie. C'est une espèce de moment où il n'allait plus rien se passer. En tous les cas, les grands mouvements seraient terminés. Ce serait le grand soir. Et après le grand soir, ce serait la fin de toutes les péripéties de l'histoire. Et donc, les grandes idéologies avaient encore une destination, elles avaient encore un point d'arrivée. Elles voulaient que notre mouvement ait un sens par quelque chose qui lui mettrait fin. On ne fait pas la révolution indéfiniment pour un marxiste. Ça s'arrête un jour. Et puis, le mur de Berlin s'est effondré. Les grandes idéologies ont chuté avec le fracas qu'on sait. Et maintenant, nous vivons, je crois, pour la première fois dans l'histoire de la modernité, une sorte d'accomplissement et de crise de la modernité. Nous voulons toujours tout changer. Nous voulons l'innovation, la disruption, le changement, le mouvement. Nous voulons précisément euh, euh, être en marche pour être en marche. Nous ne savons plus du tout quel serait le point d'arrivée auquel nous pourrions nous dire, voilà, nous sommes arrivés. Et c'est vrai de tous les aspects de notre vie. Encore une fois, ce n'est pas seulement une question politique. Je, je parlais il y a quelques jours à, à des coachs en management. Jean Fort Sérieux qui me disait Attention, aujourd'hui c'est très important de faire la pédagogie du changement parce qu'une entreprise, pour survivre, elle se transforme totalement tous les 18 mois. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un chef d'entreprise ne peut pas dire à ses salariés Écoutez, nous allons faire des efforts parce que nous avons des choses à changer, mais quand les efforts seront faits, nous pourrons nous dire que nous sommes arrivés à ce que nous avions visé, nous pourrons continuer notre travail, continuer de faire ce que nous savons faire, mais nous n'aurons plus besoin de tout transformer. Non, aujourd'hui nous vivons dans un monde où tout doit se transformer tout le temps. Et la marche est de ce point de vue-là devenue un but. Or, moi, je crois que l'accomplissement la, de la modernité, c'est-à-dire l'accomplissement du triomphe du mouvement, il n'y a plus rien qui soit immobile, tout est toujours en mouvement, le mouvement est la fin ultime. Je crois que le triomphe du mouvement est en même temps la crise du mouvement. Parce que courir pour courir, ça n'a en fait aucun sens. Vous pouvez faire courir des joueurs de football, vous pouvez les faire courir longtemps et très vite en leur disant on va gagner la Coupe du Monde. Peut-être que vous n'allez pas la gagner d'ailleurs. Mais enfin, ce but donne un sens à tout l'effort que vous faites. Mais les joueurs qui vont en Russie ne disent pas Vous allez faire quoi bon, On va courir très vite. Non, ils disent On va pour gagner la Coupe du Monde. Et nous, nous ne savons pas quelle est notre Coupe du Monde, en quelque sorte. On nous dit qu'il faut changer, qu'il faut se réformer, qu'il faut se transformer. On nous parle de disruption, d'innovation, on nous parle de réforme perpétuelle. Mais nous ne savons pas exactement vers où aller. Et d'une certaine manière, ce qui manque à notre monde héraclitéen, et de ce point de vue-là, rien n'est nouveau, c'est peut-être la conscience de ces demeures que la conscience humaine installe précisément. Bien sûr que du point de vue physique, tout bouge. Il ne reste pas moins que nous sommes capables d'habiter le monde, c'est-à-dire d'installer dans le monde quelque chose qui dépasse le flux de la matière et les fluctuations des atomes pour que nous puissions nous repérer dans cet univers en mouvement et à travers ces grands repères donner sens à tout changement. Et alors en vous écoutant, je me dis mais... Alors il nous plonge en plein déterminisme. Nous sommes emportés par ce, par ce mouvement et puis on va, ne on va, va pas y échapper. Et puis je me dis, mais attends, mais tout de même, le, le progrès, ça signifie quelque chose. On a appris des choses. On, on a réussi à comprendre déjà le mouvement, c'est pas mal. On, malgré tout, ceux qui ont inventé la modernité ont inventé aussi la conscience, la conscience de soi. Et donc on a pu avancer un petit peu avec, en ayant conscience. De ce que nous avons fait, de ce que nous faisons. On a eu des progrès. Un philosophe bien plus âgé que vous, qui s'appelle Michel Serre, sortait un petit livre et on a dit C'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. C'est mieux maintenant. La santé est meilleure. Le, 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 on, on répare les vivants aujourd'hui. Simplement, pensez-vous qu'il y a une limite au fait de réparer les vivants, d'améliorer la vie, les conditions de vie, de régler les problèmes de la survie en temps de, de, démographie, de démographie galopante, euh, ou bien pensez-vous qu'il eût été mieux que nous restions dans notre chambre, comme dit Pascal Il y a beaucoup de questions dans votre question, mais des questions qui sont passionnantes. Euh, je reviendrai à la question du déterminisme dans un instant, mais pour l'instant, euh, arrêtons-nous un, inst un instant, si vous voulez, sur le, le sentiment que nous avons fait des progrès. Et bien sûr, le fait que l'humanité puisse progresser est un signe de l'humanité. Je veux dire par là que nous avons cette différence massive par rapport au règne animal. Vous voyez, le règne animal a quelque chose de cyclique. Bien sûr, la conscience de l'évolution des espèces, avec Cuvier, avec Darwin, évidemment, avec tant d'autres, nous a permis de comprendre que le vivant, lui aussi, <coughs> était capable d'adaptation pour euh, évoluer dans son milieu. Mais l'humanité a une capacité d'apprendre qui est infiniment plus grande. Et qui nous rend plus plastiques que toutes les autres espèces. Si bien que nous ne nous laissons pas avoir continuellement par les mêmes défauts, que nous tentons de les réparer, de les améliorer, que nous parvenons précisément à améliorer notre vie, à réparer les vivants, pour reprendre votre belle expression. Bien sûr, nous avons fait des progrès. Mais ces progrès sont toujours des progrès par autre chose que la seule nouveauté. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Ils sont des progrès en tant qu'ils nous approchent d'un but qui lui-même est fixe et stable. Prenons, prenons la question politique, par exemple. L'humanité a petit à petit pris conscience, pour une immense partie d'entre elles, que l'esclavage était un scandale et une faute contre la dignité humaine. Et donc, nous avons aboli l'esclavage. C'est un progrès. Ce n'est pas un progrès parce que c'est nouveau. Ce n'est pas un progrès parce que c'est une vérité nouvelle. En tant que telle, la vérité, elle n'a pas changé. L'esclavage a toujours été une atteinte à la dignité humaine. Toujours. Même quand toute l'humanité pratiquait l'esclavage. Ça ne choquait pas nos amis les Grecs. Ça ne les choquait pas, mais c'était pourtant une injustice. Et c'était déjà une injustice. L'esclavage n'a jamais été juste. Même quand tous les Grecs le pensaient, même quand Aristote, quelle, quelle tristesse, démontrait que l'esclavage, c'était tout à fait normal et naturel et qu'il fallait continuer de le pratiquer, Aristote se trompait quand toute l'humanité pensait que la terre était immobile et que le soleil tournait autour d'elle la terre tournait déjà autour du soleil galilée n'a pas fait tourner la terre il s'est rendu compte qu'elle tournait mais ne fallait il pas le progrès technique pour remplacer l'esclavage et faire en sorte que l'on puisse avoir une belle âme parce qu'on avait résolu les problèmes matériels? Et mais justement au risque de vous choquer voilà la réponse que j'apporterai à la question que vous posiez le progrès technique ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de progrès technique. Qu'est-ce que c'est que la technique La technique, c'est un ordre de moyens. La technique, ce sont les outils que nous utilisons. Et vous remarquerez avec moi que nous pouvons utiliser des outils pour le meilleur et pour le pire. Avec un couteau de cuisine, vous pouvez faire un délicieux gâteau que vous allez offrir à ceux auxquels vous allez donner le sentiment de l'amour que vous partagez avec eux, et ça va les combler, et vous allez leur faire du bien. Avec un couteau de cuisine, vous pouvez tuer quelqu'un. Le couteau n'est pas responsable du bien et du mal, la technique est ce par quoi notre pouvoir d'agir s'augmente et donc elle est de l'ordre des moyens. Le bien et le mal, le juste et l'injuste, le beau et le laid sont de l'ordre des fins et ça pour le coup ça ne change pas. Avec le pouvoir de la technique vous pouvez faire, euh, vous, pouvez, vous pouvez guérir des êtres humains et vous pouvez les tuer en masse. On invente, vous savez qu'en grec le pharmakon veut dire le remède et le poison. La science a pu mettre au point des moyens de plus en plus sophistiqués de guérir les hommes, qui sont aussi des moyens de plus en plus sophistiqués de les anéantir, si on veut. Est-ce qu'on est peut parler de progrès technique dans les armes chimiques inventées pendant la Première Guerre mondiale Non, c'est plutôt une innovation technique mise au service d'une barbarie et d'une régression absolue. Donc il n'y a pas de progrès technique. Et ce n'est pas parce que nous avons devant nous une nouveauté technique qu'elle est forcément un progrès. Elle ne peut être appelée un progrès qu'au regard de quelque chose qui est extérieur à la technique. Ce que d'ailleurs nous découvrons de façon tout à fait naïve et, et pleine d'innocence touchante à travers le, 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 la conversion écologique que nous vivons collectivement. Est-ce que la voiture est un progrès par rapport au vélo Mais tout dépend de ce que vous voulez préserver. La question c'est qu'est-ce qui tient vraiment pour vous, à quoi est-ce que vous tenez vraiment si, si ce à quoi vous tenez vraiment, c'est le temps, si vous voulez économiser du temps, alors la voiture est indéniablement un progrès par rapport au vélo. Si ce à quoi vous tenez vraiment beaucoup, c'est la préservation des équilibres de la nature, le fait de ne pas polluer, de ne pas euh, vider la nature de ses ressources fossiles, alors dans ce cas, le vélo est un progrès par rapport à la voiture. Et je le vois comme élu local, nous nous mettons à construire nos villes entières autour du vélo en nous disant qu'il faut vraiment qu'on s'oriente vers le vélo. Si on raisonne en termes d'avant et d'arrière, c'est une régression infinie. Pendant très longtemps, l'avenir de l'agriculture, le progrès, la nouveauté, la modernité absolue, c'était le glyphosate, c'était les pesticides, c'était les engrais. C'était évidemment les élevages intensifs, c'était la ferme des mille vaches, c'était les grandes exploitations industrialisées. Et maintenant, nous voulons les circuits courts. Maintenant, nous voulons connaître un agriculteur qui connaît ses vaches par son nom. Maintenant, nous voulons absolument de l'agriculture raisonnée avec le moins de pesticides possible. Et nous ce, appelons ce, ça. Ce nous désigne collectivement peu de gens la société. Quand même. En tous les cas, c'est globalement la tendance qui traverse la société contemporaine. Nous oui, sommes préoccupés. Vous savez qu'il englobe Trump, ce nous non, mais justement, dans notre débat avec Trump, nous avons l'impression qu'il est archaïque alors qu'il représente parfaitement ce que nous avons considéré pendant 30 ans comme étant le progrès absolu. Je, je reviens du coup à la question de, 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 ce, de ce progrès. Bien sûr qu'il faut faire des progrès, mais la, la question que nous devons nous poser à chaque fois qu'on nous parle d'un progrès technique, c'est au regard de quoi s'agit-il vraiment d'un progrès Est-ce que c'est vraiment un progrès Et vous me demandiez, est-ce qu'il y a une limite à la réparation de l'humain Moi je crois que vivre en bonne santé, c'est un bien pour les hommes. Et donc il n'y a aucune limite. Tout ce qui pourra faire que les hommes vivront en meilleure santé, toutes les nouveautés techniques qui pourront servir les exploits de la médecine me paraissent, s'ils sont évidemment respectueux de la dignité humaine, me paraissent être bons en soi, et donc me paraissent être des progrès. Le problème n'est pas dans la technicité plus grande, la question n'est pas d'être de, de, frileux devant la nouveauté. En revanche, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un progrès dans le fait de vouloir transformer le corps humain. Je crois que quelqu'un qui a perdu un bras à cause d'un accident ou d'un handicap, nous gagnerons tout à tenter d'inventer des exosquelettes qui lui permettront de retrouver l'usage de ses deux bras. Mais que le jour où on viendra demander à un chirurgien de nous greffer un troisième bras parce que ça nous plairait, le jour où on viendra non pas seulement demander à quelqu'un de mieux vieillir et de mieux mourir, mais on viendra demander à un chirurgien de ne plus mourir, je suis pas sûr qu'on aura progressé. Et c'est sur ce débat-là que les choses doivent s'engager. Et quant au sexe et au genre alors Et justement, ce qui me paraît tout à fait frappant, c'est que dans l'idée du progrès que nous nous faisons aujourd'hui dans l'idée de cette mobilité l'idée que tout ce qui change est forcément meilleur que ce qui n'est pas changé vous voyez c'est ça qui fait au fond le regard que nous portons sur l'histoire aujourd'hui peut-être pas l'idée de progrès mais l'idée d'un certain progressisme si vous voulez le sentiment que tout ce qui est reçu est forcément moins bon que ce que nous pouvons faire nous-mêmes que l'ancien monde est forcément moins bon que le nouveau monde que ce qui est en l'état est forcément moins intéressant que ce qui est nouveau. Le sentiment que nous avons, si vous voulez, quand sort le dernier smartphone, où nous nous disons qu'il est forcément meilleur que celui qui y avait avant, je crois que ce sentiment-là contribue à nous faire regarder avec un peu de mépris, de façon systématique, le smartphone que nous avons dans nos mains, en nous disant qu'il est quand même vraiment moins bien que celui qui vient de sortir. Pour le dire autrement, il me semble que cette fascination pour le changement ne nous enrichit pas, qu'elle nous appauvrit d'une manière structurelle, parce que nous ne voulons pas... De ce qui est réel, nous voulons toujours de la promesse de ce qui est encore à venir. C'est le philosophe Ernst Bloch qui était un passionné de la technique, qui disait dans les années 70 moi, je ne m'intéresse pas à l'être. La réalité, c'est nul. Je m'intéresse à ce qui n'est pas encore, au ne pas encore être. Je veux le nouveau monde seulement. Mais si vous considérez que le monde de demain est forcément moins bon, et forcément meilleur. Si vous considérez que le monde de demain est forcément meilleur que celui d'aujourd'hui, alors en fait, vous n'allez jamais habiter vraiment celui d'aujourd'hui. Et la question du genre et du sexe, elle renvoie à ça. C'est-à-dire que, est -ce que nous, pour moi, la grande question politique de l'avenir, c'est la suivante. Elle, elle, elle tient entièrement là-dedans. Est-ce que nous voulons accepter que quelque chose nous précède Ou est-ce que nous voulons que tout ce qui nous précède soit remplacé par ce que nous aurons décidé nous-mêmes Aujourd'hui, nous vivons dans cette passion du remplacement universel, de la transformation universelle, qui fait que nous ne supportons pas de devoir recevoir quelque chose que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Je suis choisi. né, je suis un homme, c'est insupportable, je n'ai pas choisi. On ne m'a pas demandé mon avis. Et pourquoi je ne pourrais pas changer Derrière la question du genre, il y a euh, ce que Nietzsche appelait, je crois profondément qu'il y a ce que Nietzsche appelait une forme de ressentiment, une incapacité à aimer les choses telles qu'elles sont. Vous savez que c'est ce que Nietzsche reprochait à la religion catholique. Il disait, mais vous les chrétiens, euh, vous parlez toujours du paradis et parce que vous parlez du paradis, vous en venez à détester le monde réel. Eh bien, je crois que derrière la fascination pour le progrès, il y a aussi une sorte de ressentiment. On nous présente ça comme un optimisme. En fait, celui qui dit que tout ce qu'il va transformer sera forcément meilleur que ce qu'il a pu recevoir, il dit de manière structurelle et définitive une forme d'incapacité à aimer ce qui est réel. Et du coup, je ne veux pas subir mon sexe, je veux pouvoir choisir mon genre. Je veux de cette mobilité absolue, je veux être gender fluide comme on le dit aujourd'hui, pouvoir changer de genre quand je veux. Comme je veux, je veux pouvoir. Euh, vous avez vu qu'il y a un Britannique qui a décidé qu'il avait la dé pris la décision de changer d'âge. pourquoi est-ce que j'aurai l'âge que j'ai Il n'y a pas de raison que je subisse mon âge, ma date de naissance. Donc il exige que l'état civil transforme sa date de naissance pour qu'il soit rajeuni de 20 ans, du point de vue de son état civil. Hein. Moi, je me sens pas. Euh, 33 ans, ça m'a vraiment stressé cette année-là, mon anniversaire. J'aimais beaucoup mieux 32. Oui, donc euh... c'est l'âge du Christ en croix, comme disait Rimilde. <laughs> c'est pour ça que ça m'a stressé, peut-être. <laughs> je me demande quelle passion m'attend. En tous les cas, euh, il y a dans, le, dans, le, dans le, la volonté de mobilité perpétuelle quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'optimisme souriant qu'on nous présente, mais peut-être d'une incapacité à habiter ce qui demeure justement. Demain, on va, on va nous vanter le transhumanisme, l'homme augmenté. Mais ne croyez pas qu'on sera content un jour, hein, parce qu'après l'homme 2.0, il y aura la promesse de l'homme 3.0. On sera toujours trop à l'étroit, on en voudra toujours plus. Et après l'homme 3.0, il y aura l'homme 10.0. Regardez, il y a dix ans, vous étiez tellement fiers de sortir dans la rue avec... Le premier iPhone. Aujourd'hui, vous sortez avec le même, vous avez la ridicule. De fait, le progrès technique fait faner les choses que nous tenons dans nos mains. Tout ce qui est réel est par la même dénoncé par la promesse de ce qui vient. Si vous achetez un smartphone qui vous a coûté très cher et que vous le mettez dans une, vous achetez un smartphone et vous, vous dites, ah, quand même, ça m'a coûté tellement cher, je vais essayer quand même de, de l'économiser de lui faire garder sa valeur. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'il ne perde pas sa valeur, je vais même pas m'en servir. Tiens, vous le laissez dans sa boîte, vous le mettez dans un coffre-fort, vous n'y touchez pas. Cinq ans après, vous ouvrez le coffre-fort, vous avez beau avoir laissé le smartphone dans sa boîte, il a perdu 90% de sa valeur. Le, le changement perpétuel nous a conduit à inventer cette chose inouïe, par exemple, qui est l'obsolescence programmée. Il y a des ingénieurs qui, de façon très rare, j'espère, heureusement, qui travaillent pour faire en sorte que, <laughs> que les objets qu'ils inventent soient plus rapidement dépassés que il soit plus rapidement épuisé. Nous avons une date forme de, de difficulté de à aimer le réel. Et c'est ce, ce qui se traduit à travers, je crois, cette fascination pour le mouvement perpétuel. Je disais la date de péremption. C'est ça. La lumière, les, les ampoules qui, qui sont pré, pré, prévues pour éclater à un certain moment, etc. etc. Et, oui. et, et, et vous disiez d'ailleurs, euh, la date de pérences, ça, ça me renvoie à ce, ce livre euh, de Frédéric Bébédé qui s'appelle 99 ans, peut-être certains l'avez-vous déjà vu. Oui, Bé -Bé -Dé. Et justement, un livre sur le fait que la publicité nous pousse à changer tout le temps, qu'elle accompagne le mouvement de la modernité. Est le la, moteur. Mo la modernité est la première époque dans toute l'histoire de l'économie où le secteur de la publicité a acquis un développement autonome. C'est la première fois. Ce qu'il faut justement nous pousser à tout changer tout le temps. Et dans ce, dans ce texte, le personnage principal, qui est un publicitaire désabusé, commence sa réflexion en disant ⁇ Tout s'achète, tout se vend ⁇ L'amour, le temps, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date de péremption. Et euh, pour finir, avant de, de passer la, la parole à la salle, j'aimerais que vous euh, racontiez à nouveau ce qui clôt le livre dont on vient de parler, et qui m'a paru très beau. Où vous racontez que l'histoire d'Ulysse, au fond, la grande errant qui est faite par les maires après la guerre de Troie, et ce que raconte Homer, c'est le retour vers la demeure. Et le détail qui va faire qu'il reconnaîtra sa demeure. Alors, ça me permet de répondre un peu à Michel Serre, qui a été un officier de marine d'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui a été un marin, qui est un philosophe passionnant. Mais. À titre personnel, j'éprouve un peu de difficulté à me reconnaître complètement, aussi bien dans Petite Poussette, qui me paraît être le signe justement de la péremption de la transmission à laquelle je crois pourtant. Je pense que, contrairement à ce que Michel Serres semble parfois indiquer, jamais les parents, jamais les grands-parents n'ont été aussi nécessaires à la construction personnelle de leurs enfants. Dans le monde du numérique, nous ne pouvons pas rester spectateurs de la génération qui vient. Elle a besoin absolument de ses points de repère, que peut-être l'héritage de tous ceux qui l'ont précédé, pour faire venir jusqu'à elle ce qui lui permettra de s'approprier ces outils. Nous le voyons bien, je le vois en moi-même le premier. Le défi intérieur est immense pour que les outils que nous possédons, nous n'en nous ne, nous, nous soyons pas possédés pour que nous restions maîtres de ces outils et que nous ne devenions pas l'esclave de nos propres instruments. Et je crois que pour cela, il faut précisément que nous puissions, et c'est plus nécessaire que jamais dans le monde du numérique, refaire notre liberté par la fréquentation de la lettre, des textes, de la parole. Et qui mieux que nos aînés, que nos parents, nos grands-parents peuvent incarner pour nous cette parole qui vient faire venir jusqu'à nous. Vous le voyez, nous en avons parlé cet après-midi. Les questions que nous nous posons, nous ne sommes pas les premiers à les rencontrer. Et notre liberté gagne beaucoup à pouvoir découvrir ce que d'autres que nous ont élaboré pour nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous grandissons. Et surtout, je crois que euh, de ce point de vue-là, il est très nécessaire de renoncer à cette espèce de superbe moderne qui consiste à croire que nous sommes le sommet de l'histoire de l'humanité. Je ne serais pas prêt à dire, pour ma part, qu'il faut renoncer absolument à l'idée que c'était mieux avant. Je trouve que c'est une aberration en fait. Condamner le c'était mieux avant me paraît une absurdité intellectuelle. Je ne veux pas dire par là que tout était mieux avant. Considérer que tout était mieux avant, considérer que le monde d'hier est forcément meilleur que le monde d'aujourd'hui est tout aussi aberrant. Mais il y a des domaines dans lesquels, oui, c'est vrai, peut-être certaines choses ont mieux réussi. Vous demandiez tout à l'heure si nous étions déterminés, si l'histoire était déterministe pour en Je ne le crois pas du tout. Je pense que l'avenir est dans nos mains. Je pense que l'avenir sera exactement ce que nous en ferons. Et je parle aux plus jeunes parmi nous en particulier, et je pense que nous sommes devant l'évidence vertigineuse de notre liberté. Nous pouvons réussir et nous pouvons échouer. Et sur certains terrains, nous pouvons remporter des succès et sur d'autres terrains, faire des erreurs. Et de fait, ceux qui nous ont précédés, sur certains terrains, ont fait des erreurs. Quand j'ai écrit Les Déshérités, je n'avais pas du tout pour but de me faire le juge de la génération qui m'avait précédé, mais simplement d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas marché pour que l'école soit dans une telle crise. Oui, je crois que sur le terrain éducatif, à certains égards, c'était mieux avant. Qu'on ferait bien de s'inspirer de ce que ceux qui nous ont précédés avaient bien réussi pour éviter de répéter les erreurs que nous sommes en train de commettre. Dire que par définition nous sommes la meilleure période de l'histoire, pour moi, ça n'a pas grand sens. Je reviens de Grèce. J'ai eu la chance de découvrir pour la première fois de ma vie la Grèce il y a quelques jours. Euh, quand vous visitez Épidaurus, vous qui êtes un homme de théâtre, quand vous visitez Épidaure, quand vous allez à Delphes, quand vous montez sur l'acropole, bah vous pouvez vous dire que nous avons beaucoup à recevoir des périodes qui nous ont précédés et qu'on a beau avoir inventé l'aspirine. On n'est pas forcément le sommet de l'histoire de l'humanité, il y a des choses qu'on a réussies et qui méritent d'être conservées. Il y a des choses qu'on a ratées qui appellent des changements. C'est cette lucidité qui fait la question politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut améliorer La question n'est pas, encore une fois, faut-il aller de l'avant ou repartir en arrière en disant c'était moins bien avant Et donc ne retournons pas vers les heures les plus sombres de notre histoire. L'autre jour, quelqu'un me disait oh là là, mais euh, parfois on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent revenir au Moyen-Âge. Ben, au Moyen-Âge, il s'est passé des choses magnifiques. Je crois que la modernité n'a pas inventé la conscience de l'individu que c'est le résultat d'une maturation progressive. En tous les cas, ce qui me paraît touchant dans la figure d'Ulysse sur lequel je concluais ce livre, c'est que précisément Ulysse est un homme de la nostalgie. Cette nostalgie qui est comme bannie aujourd'hui. Dire que, que vous êtes nostalgique, dire que vous regrettez ce qu'il y avait avant, c'est quasiment vous ranger dans le camp de cette chose horrible qu'on appelle les conservateurs. Peut-être même pire encore, si vous êtes réactionnaire, si vous voulez revenir en arrière, en tous les cas, c'est que si vous dites que c'était mieux avant, c'est que vous êtes sans doute un, un demeuré, vous voyez, quelqu'un qui justement a du mal à changer, à épouser avec enthousiasme l'avenir tel qu'il se présente, <laughs> comme s'il était décrit d'avance. Ulysse est un homme de la nostalgie. Pendant 20 ans, Ulysse ne pense qu'à une chose, c'est à retrouver sa maison. Il est hanté par la nostalgie, à tel point que quand il est dans son épopée qui le conduit d'île en île et de, de, de bataille en bataille, il est piégé sur l'île de la nymphe Calypso. rendez-vous compte de la situation catastrophique pour le pauvre Ulysse. C'est un mortel, c'est un homme comme vous et moi, voilà, il est sur son bateau, il cherche à rentrer chez lui, d'un seul coup, il arrive sur cette île et Calypso le prend en otage. Calypso est une nymphe, c'est-à-dire n'est pas une déesse mais presque, c'est un être divin, elle est donc divinement belle, qui plus est, elle est immortelle et elle est folle amoureuse d'Ulysse. Il y a pire quand même hein. Ça ressemble à l'île de la tentation ce truc-là, vous voyez. Et Calypso dit à Ulysse, mais écoute, si tu m'épouses, tu deviens un immortel. Tu te rends compte la chance. Ulysse dit, non, non, moi je veux retourner chez moi. <laughs> Calypso, elle ne comprend pas, oui. Il y a quand même, au bout de, elle le garde 7 ans quand même. Hein. Au bout de sept ans, ça devient vexant quand même. Hein. Écoute, ta femme, Pénélope, là, bon d'accord, je comprends qu'il y a un peu d'affection, etc. Mais enfin, quand même, ta femme, c'est une mortelle, quoi. Hein. Elle est peut-être jolie, mais enfin, elle va vieillir. Hein. Tu veux pas d'une immortelle. Tu ne veux pas devenir immortel. Ulysse veut retourner chez lui. Ulysse est un homme habité par la nostalgie, mais pourtant c'est un héros. Et dans ce livre, je ne voulais pas me faire le prophète de l'immobilité. Ulysse est un héros, c'est un homme inventif. Homer nous le décrit comme un homme aux mille ruses. Il a toujours plus d'un tour dans son sac, il a toujours un expédient, il sait toujours comment s'en sortir. Il est créatif, imaginatif. Ce n'est pas du tout un immobile. Au contraire, il passe 20 ans, et c'est tellement pas un immobile que c'est à partir du nom d'Ulysse qu'on a formé le mot Odyssée. Ulysse est un aventurier, mais c'est un aventurier de la nostalgie, pourrait-on dire. Il est hanté par ce qui demeure, et c'est ce qui demeure qui donne sens à son mouvement. Et au bout de 20 ans, il parvient enfin à retourner à Ithac. Alors c'est pas complètement fini, hein. c'est le chant 28 de l'Odyssée, c'est absolument magnifique. Ulysse retourne à Ithac. Ça fait 20 ans qu'il attendait ce moment. Mais maintenant, ce qui est difficile, c'est qu'il va devoir vaincre les prétendants qui assiègent sa femme depuis tellement d'années, qui cherchent à prendre sa place. Et surtout, il va devoir se faire reconnaître. Parce que ça fait 20 ans qu'il est parti. Comment est-ce qu'on va savoir que c'est lui Le premier qui reconnaît Ulysse, c'est son chien, le fidèle Argos, qui reconnaît Ulysse et qui meurt. Il l'avait attendu 20 ans. Ensuite, le gardien de la maison. Ensuite, sa nourrice, Euryclée, qui le reconnaît à une blessure qu'il s'était faite quand il était adolescent et qu'il avait été à la chasse aux sangliers. Et de fait, bien souvent, nous pouvons être reconnus à nos blessures, nous aussi. Et ensuite, il est reconnu par son fils, Télémaque, et il ne reste plus que sa femme, Pénélope. Ça fait 20 ans qu'elle attend. L'image de la fidélité, elle aussi, elle attend depuis 20 ans. Elle avait dit qu'elle épouserait un des prétendants quand elle aurait fini sa toile. Tous les jours, elle tisse. Toutes les nuits, elle détisse. Vous connaissez l'histoire. Et voilà qu'Ulysse arrive. Ça fait 20 ans qu'il est parti. Soit il va se faire engueuler, soit elle va lui tomber dans les bras. Ni l'un ni l'autre. Elle le regarde et se dit, est-ce que c'est vraiment lui Parce que si ça se trouve, c'est peut-être un de ses prétendants qui s'est déguisé en mon mari pour pouvoir mieux prendre sa place. Comment est-ce que je peux être sûre Alors Télémaque est un peu irrité quand même, le fils d'Ulysse, il ne comprend pas et il dit, Pépé, mais mère, ton cœur est dur comme la pierre. Pourquoi est-ce que tu ne t'enthousiasmes pas Regarde, ton mari revient, mon père est, est là. Et Ulysse dit à son fils, ne t'inquiète pas, je comprends, je comprends que ta mère mette du temps, c'est normal. Mais pour l'instant, je vais prendre un bain et ensuite je vais me reposer, je vais dormir dans mon lit. Alors Pénélope dit à Ulysse, tu feras attention, on a, on a bougé ton lit, il est plus dans la même chambre. Et là, pour la première fois dans toute l'histoire de l'Iliade et de l'Odyssée réunie, pour la première fois de l'histoire, Ulysse se met dans une colère noire. Pour la première fois, il est complètement perdu. Il est totalement déconcerté. Et il dit, Femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture Qui donc a déplacé mon lit Parce que <laughs> ce que les lecteurs de l'Odyssée ne savent pas encore, à travers ce qui paraît être un détail, c'est qu'en fait, Ulysse... Et c'est le secret qu'il partage avec sa femme et elle seule, Ulysse a construit son lit conjugal autour d'un olivier millénaire. Il a construit sa maison autour de son lit conjugal. Et le monde entier se construit pour lui autour de sa maison. Pour nous, d'ailleurs, vous le reconnaîtrez tous, nous avons une grande facilité de déplacement aujourd'hui. Nous traversons les mers comme Ulysse. Mais toujours, nous savons où est notre maison familière. Saint-Exupéry, perdu au milieu du désert dans Terre des Hommes, racontant qu'il est sur le point de mourir de soif, dit que la seule chose qui le consolait, c'est qu'il se souvenait de la maison de famille avec l'odeur des draps lavés, avec euh, cette ambiance si particulière, ces sons, cette lumière qui n'appartient qu'à l'endroit où vous avez grandi et où vous avez vos souvenirs. Le monde est habité par la demeure. Le monde est habité par ces points fixes qui donnent sens à nos aventures. Et Ulysse, d'un seul coup, à l'idée qu'on ait déplacé son lit, croit que, d'un seul coup, son monde a perdu son centre. cest veut dire qu'on a coupé l'olivier millénaire. cest veut dire qu'on a cassé quelque chose de ce à quoi il tenait le plus. En réalité, Ulysse, l'homme aux mille ruses, a trouvé plus rusé que lui, c'est-à-dire sa femme. C'est toujours comme ça. Et Pénélope avait joué de ce tour pour reconnaître son mari, parce que seule Ulysse savait cette histoire d'olivier. Et donc elle dit à Ulysse, mais je te reconnais maintenant, c'est bien toi, Ulysse. Ne t'inquiète pas, ton lit est toujours au même endroit et ils vont dormir ensemble. Il lui fallu qu'Athéna retint l'aurore au doigt de rose pour qu'ils puissent goûter plus longtemps la douceur du retour. Bonheur de naufragé reprenant pied sur la terre ferme. C'est par ces mots que se termine l'Odyssée. Bonheur de naufragé reprenant pied sur la terre ferme. Je crois que dans le monde dont nous héritons, dans la période historique qui est la nôtre, dans ce monde marqué par l'idée d'un mouvement perpétuel, nous avons besoin, nous aussi, de savoir quels sont nos points fixes, de savoir à quoi nous tenons, quelle est notre demeure. Non pour la fermer, bien sûr, la demeure, c'est la condition de l'accueil, c'est de là que vous pouvez partir, et c'est à partir de la demeure que toutes les aventures peuvent se vivre, mais c'est elle qui donne un sens à l'aventure. Et précisément, je crois que la nostalgie ne devrait pas être interdite pour que les questions les plus nécessaires puissent nous être posées aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est juste, vers où faut-il avancer Qu'est-ce qui mérite d'être conservé Qu'est-ce qui mérite d'être protégé et d'être préservé Parce que nous héritons d'un monde qui est fait de merveilles, bien sûr, et de merveilles fragiles. Et nous ne devons pas être pessimistes ou anxieux, mais nous devons être amoureux de ces merveilles fragiles dont notre monde est formé. Dans l'optimisme de principe qui dit que tout ira bien demain, qu'il n'y a aucun problème, qu'il faut choisir résolument l'avenir et détester le monde ancien, il y a peut-être un refus d'épouser ce monde pour en prendre soin, ce qui est, me semble-t-il, la tâche de la politique. Nous avons besoin, je crois, vraiment de retrouver cette terre ferme et surtout de retrouver ce bonheur de naufragé reprenant pied sur la terre ferme. C'est ce que je nous souhaite de meilleur en tous les cas. Et euh, avant, on n'a pas terminé. Ça fait du bien de vous voir. Nous allons passer aux questions. Vous avez un petit quart d'heure pour poser les questions que vous souhaitez. Et pendant que, que les mains se lèvent, j'en je, je profite pour dire à, à Olivier Bellamy que ah, François-Xavier Bellamy que euh, le, le choix de son livre. Euh, dans, la, dans la forme qu'il a adoptée, me paraît extraordinairement littéraire et poétique, dans la mesure où il s'ouvre par une réflexion sur Saint-Exupéry et il se termine par une réflexion sur Homère. Ce qui m'avait donné à penser que finalement Hölderlin n'avait pas tort quand il disait que c'est plein de mérite que l'homme habite en cette terre, mais seul ce qui demeure, les poètes le fondent. Bon, question. Je ne vois pas les bras. Qui se lève si voilà, euh, j'étais ravi d'écouter votre discours. Euh, vous n'avez pas parlé d'un mot, mais vous n'avez parlé que de celui-là en réalité. C'est le mot racine, c'est ce qui me paraît fonder l'homme. Est-ce que je me trompe Alors, c'est un mot à la fois magnifique, nécessaire et. Euh, peut-être un peu euh, problématique. Je, je veux dire par là que euh, je, je, suis, euh, je me sens profondément héritier de, de Simone Veil lorsqu'elle produit cette magnifique déclaration des droits de l'âme qui s'appelle l'enracinement. Et je crois qu'effectivement, l'enracinement, c'est le premier des droits de l'âme. De fait, il y a quelque chose de... de de fondateurs aujourd'hui que nous avons sans doute trop oublié, c'est que nous avons d'abord besoin d'habiter le monde. Et habiter le monde, ça ne veut pas dire seulement répondre à cette nécessité fonctionnelle d'un repos temporaire entre deux mouvements de nos vies. Nous n'avons pas besoin de nous loger. Je veux dire par là que, le, en tous les cas, nous n'avons pas seulement besoin de nous loger. Le logement, c'est une considération purement physique, vous voyez, comme on dit d'une une balle de flipper qu'elle vient se loger dans son emplacement avant de repartir instantanément. Le logement, c'est quelque chose qui répond aux besoins du corps. Mais l'homme n'a pas seulement besoin de s'abriter, de se loger, il a besoin d'habiter le monde. Et habiter le monde, ça veut dire faire toujours plus que se loger. De ce point de vue-là, je, je, je crois que nos politiques du logement ont été souvent une forme de violence envers les droits de l'âme, précisément. Depuis la grotte de Lascaux, vous voyez, même dans sa... Pauvreté matérielle, en tous les cas dans l'extrême précarité de sa vie, l'homme cherche non seulement à s'abriter des intempéries, mais il habite le monde, il en fait toujours trop, il fait quelque chose de plus, il peint des fresques. Justement, cette intuition poétique, c'est le sens du beau, de la gratuité du beau qui fait que nous avons besoin de ce lieu familier que nous construisons, qui donne sens ensuite, qui irradie le monde dans lequel nous sommes. Mais ça n'est pas un enracinement au sens euh, concret de ce terme, parce que nous ne sommes pas des végétaux. Je veux dire par là que les racines ne sont pas pour nous l'occasion d'une forme d'immobilité. Ce qui définit le végétal, c'est que son enracinement le fixe au point où il a poussé ses racines. Alors que nous, au contraire, notre enracinement à nous, tout métaphorique et tout imagé, est l'occasion de se projeter dans le monde. Il faut avoir une demeure, non pas pour y rester enfermé. Il faut avoir une demeure parce qu'elle est la condition pour les aventures que nous avons à vivre. Il faut avoir une demeure pour accueillir ceux qui peuvent y rentrer. Il faut avoir des murs autour de soi. Non pas pour s'enfermer, mais au contraire, pour avoir un chez soi dans lequel on peut faire venir celui qu'on a décidé d'accueillir. Et tout cela fait que la, <coughs> la métaphore de l'enracinement qui définit une relation solitaire et figée de l'individu à son milieu, cette relation me paraît métaphoriquement peut-être un peu insuffisante pour déterminer ce dont nous avons fondamentalement et essentiellement besoin. C'est la raison pour laquelle je, je choisissais ce mot de demeure qui me paraît plus complet peut-être que, que le mot de racine. Oui, il y a une question ici. Là-bas Allez-y. Allez-y. Oui, vous disiez au début de votre intervention que le mouvement devait être dirigé vers le beau, le bon, le juste. Alors, le problème, c'est est-ce que... Le beau, le bon et le juste, ce sont des valeurs absolues. Ou est-ce que ce qui est beau, bon et juste pour certains ne l'est pas pour d'autres Est-ce que ce n'est pas peut-être le problème de la société actuelle Alors c'est une question décisive que vous posez. Euh, il me semble que, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore répondu à toutes les questions politiques qui se présentent. Mais on les a peut-être mieux posées, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. La question qui se présente à nous n'est pas est-ce qu'il faut le faire parce que c'est nouveau, ou bien est-ce qu'il faut le faire parce que de toute façon ça va arriver, ou bien est-ce qu'il faut le faire parce que c'est l'avenir, ou bien est-ce qu'il faut le faire parce que ça se pratique déjà ailleurs et que c'est l'évolution du temps et l'évolution de la société. La seule question qui se pose devant une réforme à faire, c'est est-ce que c'est juste Une fois qu'on a posé la question, on n'y a pas encore répondu. Et tout le débat démocratique repose précisément sur le fait que la vérité existe, mais qu'elle n'est pas évidente. Je crois que le tort du monde contemporain, c'est dans cette fascination pour le mouvement, d'avoir inclus même la vérité dans le mouvement, comme si la vérité changeait. C'est ce qu'on appelle le relativisme, comme si la vérité dépendait de nos opinions. Vous avez employé ce mot d'opinion. Bien sûr, nous avons tous des opinions différentes. Mais la vérité ne dépend pas de nos opinions, elle est ce que nous cherchons. Regardez dans le champ de la science, hein, les scientifiques peuvent avoir des réponses différentes aux grandes questions que se pose la science, mais ils ne s'arrêtent pas à la constatation de leur divergence. Ils essayent de savoir où est le vrai. Et le vrai, pour le coup, il est universel. Aujourd'hui, vous n'avez pas dans le champ de l'astronomie des gens qui arrivent en disant, voilà, moi je suis ptoléméen, c'est ma vérité, je pense que la Terre est immobile et je vous demande de me respecter dans mes convictions. Non, la question c'est qu'est-ce qui est juste quand on décrit la réalité de cet univers qui est autour de nous Comme le disait Aristote, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Si nous regardons tous la même porte et que nous donnons tous le même sens aux mots, et si quelqu'un dit maintenant, est-ce que tu peux fermer la porte parce qu'elle fait un courant d'air et que tu réponds, bah, euh, en fait, euh, non, non, elle est déjà fermée. Ah, pour toi, elle est fermée. Ah, ben, bah, écoute, chacun sa vérité, pas de problème. Hein. Non, soit la porte est ouverte, soit elle est fermée. Mais si quelqu'un dans la pièce dit que la porte est ouverte et quelqu'un d'autre dit que la porte est fermée, en parlant de la même porte, en donnant le même sens aux mots, alors il y a forcément quelqu'un qui a raison et quelqu'un d'autre qui a tort. Et la question qui se présente à nous, c'est comment déterminer ensemble ce qui est le plus vrai possible. Et c'est tout le débat politique qui se joue dans cette difficulté de déterminer ce qui est juste et ce qui est bon. Prenons les questions bioéthiques que j'évoquais tout à l'heure, je ne sais pas la question de, de euh, la question de euh, la PMA, de la GPA qui vont venir en débat bientôt. La seule question qui se pose n'est pas est-ce que ça va se faire de toute façon ou bien est-ce que ça se pratique ailleurs. C'est des questions qui sont, c'est des arguments qui sont humiliants pour l'intelligence. Enfin, c'est ridicule personne ne dit pour la fiscalité qu'on est obligé de s'aligner sur la fiscalité suisse parce que ça existe bien ailleurs et qu'il y a des gens qui vont placer leur argent en Suisse pour éviter l'impôt en France. La question n'est pas non plus est-ce que ça se pratique déjà. Vous voyez, il y a des gens qui cambriolent tous les jours des maisons et on n'a pas légalisé le cambriolage. La, question, la seule question qui se pose, c'est est-ce que c'est juste Et si on défend ces réformes, on doit les défendre au motif qu'elles sont justes. Et c'est pour cela qu'elles seront un progrès. Et si on s'y oppose, on doit s'y opposer seulement en affirmant qu'elles ne le sont pas. Et en disant cela, je ne prétends pas avoir la réponse à la question. Je pense seulement que ce qui donne un sens au dialogue démocratique, c'est l'incertitude dans laquelle nous sommes que notre opinion est la bonne, et qui nous oblige à confronter notre pensée à la pensée d'autres que nous. C'est ce qui se joue dans ce lieu magnifique. Et je, vraiment, je, je, je crois que l'expérience que nous vivons ensemble est à elle seule un signe d'espérance. Au moment où la fragilité de notre vie démocratique paraît nous sauter aux yeux, je crois que nous avons plus besoin que jamais de vivre des moments de rencontre comme celui que nous partageons aujourd'hui. Et c'est dans ces lieux-là, et hier, François Bayrou me disait que la démocratie avait été inventée dans deux lieux dans l'histoire humaine, à Athènes et à Pau. <laughs> <coughs> et ah ben voilà, ouais, ouais, j'allais dire, je ne sais pas s'il est là, mais je le remercie de nous donner l'occasion de cette expérience. Je, je le remercie infiniment parce que euh, prendre l'initiative d'une rencontre comme celle-ci, c'est nous offrir de quoi confronter nos idées. Il n'est pas nécessaire que nous soyons tous d'accord, au contraire. Il est très important que nous puissions organiser nos désaccords. C'est ça qui fait la beauté de la démocratie. Mais la seule chose qui peut nous permettre d'organiser le désaccord, c'est la conscience que nous avons que le bien, le bon, le juste, le vrai... Ne sont pas dépendants de notre opinion, que le but de la politique n'est pas d'imposer son opinion aux autres, mais que le but de la politique, c'est de vivre un dialogue qui nous permette de nous approcher tous ensemble avec le plus de chances possible de ce qui est vrai et de ce qui est juste. Comme le travail de la science n'est pas de permettre à chacun d'exprimer son opinion, mais de constituer un dialogue fécond qui permette que la totalité de la communauté scientifique s'approche progressivement de la vérité. Et la vérité, elle, pour le coup, elle ne dépend pas des fluctuations sondagières. Le juste ne dépend pas de la variation des opinions. Et c'est par conséquent notre responsabilité, c'est la tâche de notre intelligence, de nos intelligences collectives, de tenter de s'en approcher le plus qu'il est possible. Pour le dire autrement, le bien, le vrai et le juste ne sont pas des valeurs. D'ailleurs, je, 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 je suis assez... Euh, euh, réticent à travers à, de, de, cette idée de valeur. Le propre des valeurs, c'est que ça fluctue précisément. Ça varie selon les gens d'abord. Il y a des choses qui ont beaucoup de valeur pour moi, qui en ont très peu pour vous. C'est pas du tout un problème. Ça, pour le coup, c'est relatif. Une photo de la maison où j'ai grandi a beaucoup de valeur pour moi, elle en a très peu pour vous. Et c'est tout à fait normal. Et deuxièmement, le propre des valeurs, c'est que ça varie. Euh, quelque chose qui avait beaucoup de valeur hier, en a, en a, en a moins aujourd'hui. Euh, j'ai fait l'erreur d'acheter... Euh, une voiture diesel, il y a trois ans, on m'avait dit que ça polluait moins et que ça coûtait moins cher. Maintenant, elle a perdu beaucoup de sa valeur. Le propre des valeurs, c'est que ça fluctue sur un marché. Le bien, le vrai et le juste ne fluctuent pas précisément. C'est nous qui pouvons tendre vers eux et c'est ça qui donne sens aux mouvements que nous pouvons faire, au changements que nous pouvons choisir, aux réformes que nous pouvons mener. Ce qui donne sens à tout mouvement, c'est d'avancer vers ce qui demeure. On a dépassé le temps, hein, Je vous signale simplement oui, qu'on a dépassé le temps. Mais s'il y a euh, d'autres questions. Oui. Euh, euh, pour euh, euh, pour résumer, il y a la demeure individuelle et la demeure collective, sociétale, et, et qui prend sa dimension politique. Quoi. Et je crois que la demeure commune est effectivement quelque chose qui nous appartient de repenser, parce que si je fais le lien avec la question précédente, nous vivons aujourd'hui un moment. Euh, <coughs> Tout nous va pas mal, bien sûr, et à bien des égards, nous sommes heureux de vivre dans cette période plutôt que dans bien d'autres. C'est vrai que la France n'est pas en mai 40, euh, n'est pas en 1914, ni en 1918. Nous, nous vivons un moment de paix, un moment de relative prospérité, bien sûr, qui, qui est à bien des égards une chance dont nous héritons et aussi du coup une responsabilité. Mais quelque chose qui peut paraître inquiétant dans l'époque que nous vivons, c'est que précisément le sens de la demeure commune semble peut-être s'effacer, se défaire. Tout se passe comme si la politique était le lieu de l'opposition des communautés d'intérêts, des communautés de valeurs. Tout se passe comme si chacun devait défendre ses convictions et comme si chacun devait parvenir à imposer par le lobbying, par les masses mises en œuvre, imposer ce qui sert sa propre représentation du monde. Moi, je, je, je fais un peu de politique modestement comme, comme élu local. J'essaye aussi de prendre part au débat public à travers euh, la contribution dont je suis capable. Mais je, je, je ne le fais pas pour défendre mes convictions. Je ne fais pas de la politique pour défendre mes valeurs. Je ne fais pas de la philosophie pour euh, sauver mes opinions. Je, je, je ne vois de sens dans l'engagement politique que pour chercher quelque chose de bon, qui soit bon en dehors de moi, au-delà de moi, bien sûr, au-delà de tout ce que je peux personnellement avoir d'opinion ou de représentation du monde. Euh, nous ne devons pas défendre nos convictions. Le but de notre existence n'est pas de défendre nos convictions. Le but de nos existences, c'est d'avancer vers la vérité et vers le bien et d'avancer ensemble vers quelque chose qui nous relie. Et ça ne suppose pas d'être tous d'accord. Au contraire, je veux dire que précisément, la vérité n'est pas évidente. Et on va savoir si la Terre tourne ou pas. Ce n'était pas tout à fait évident au départ. Hein. Il y a eu beaucoup de confrontations entre scientifiques. Mais justement, la confrontation est nécessaire pour que nous puissions cheminer ensemble. Et dans la confrontation, il ne s'agit pas de défendre ses opinions, mais de chercher ensemble la vérité. C'est ce qui a été euh, euh, incarné euh, à bien des égards par un responsable politique que vous connaissez bien ici, et je crois qu'il voulait justement déjà dépasser l'absurdité des clivages installés. Quelle chose épouvantable qu'on invite euh, euh, tous les matins sur les, les, les émissions de radio, était hein, vraiment un éditorialiste de gauche et un éditorialiste de droite, et maintenant tapez-vous, vous voyez. Dans le Gorgias, on trouve ce dialogue magnifique. Socrate parle avec Gorgias et il fait comme d'habitude, il remet souvent ses interlocuteurs en question. Il leur pose des questions avec l'ironie qui lui est propre. Je sais qu'il y a une ironie béarnaise qui est aussi légendaire que l'ironie socratique. Et qui est sans doute tout aussi pénible, c'est vrai, parce que quand on vous remet en question, vous n'avez pas envie vous d'abandonner vos opinions, donc du coup, vous, vous le vivez mal. Alors Gorgias le vit mal, à un moment, il dit à Socrate, bon écoute, ça suffit comme ça, si, si, si tu remets tout ce que je dis en question, j'arrête de parler avec toi. Socrate lui dit, écoute-moi bien, je vais te dire quel genre d'homme je suis, et toi, dis-moi quel genre d'homme tu es. Moi, dit Socrate, je suis un homme qui aime être réfuté. J'aime quand on me montre que j'avais tort. Parce que personne n'aime se tromper. Personne n'aime être trompé. Imaginez une seule seconde que vos amis ont décidé de vous maintenir dans l'erreur sur un point précis. C'est insupportable comme idée. Nous n'aimons pas être dans l'erreur et nous n'aimons pas l'idée qu'on nous maintienne dans l'erreur. Nous aimons la vérité, nous cherchons la vérité. Elle est une forme de tropisme pour nous. Quand nous, quand nous tenons à une vérité, nous, nous ne voulons pas la remplacer par quelque chose que nous savons faux. Vous pouvez fermer les yeux, vous convaincre absolument que vous êtes à New York, vous n'y arriverez pas. Vous savez que vous êtes à Pau. Et vous êtes très bien ici et vous n'avez pas du tout envie de vous convaincre de quelque chose dont vous savez que c'est inexact. Donc, dit Socrate, moi j'aime bien quand on a remplacé dans mon esprit une erreur par une vérité, on m'a rendu un grand service. J'aime être réfuté. Bon, évidemment, je suis aussi un garçon serviable, donc quand ça arrive, j'aime bien réfuter les autres. Ça me plaît de leur faire du bien. Mais comme je suis malgré tout encore un peu trop égoïste, je préfère encore être réfuté que réfuté. Imaginez comme la vie politique retrouverait tout son sens, si on pouvait s'engager dans un dialogue politique, dans un débat politique en disant ⁇ si vous me montrez que j'ai tort, je serai capable de vous remercier ⁇ Eh, de fait, le monde serait peut-être un peu meilleur. C'est la conclusion, non C'est la conclusion. On va rester là. L'impression est bonne. Tout a été dit. Restent les livres qui sont formidables. Dépêchez-vous de les acheter. Plus tard, ça sera des, des, des ouvrages qui vous, vous vaudront souvenir. J'étais à Pau. J'ai entendu ce jeune philosophe. Et maintenant, voyez ce qu'il publie. Voilà. Et moi, je ce que dirais que vous surtout, souhaites. avec beaucoup de fierté, rendez-vous compte, j'ai eu la chance de rencontrer le meilleur public possible. J'ai été à Pau. Merci encore infiniment.